Et bonjour à tous et à tous, c'est Pato. On se retrouve aujourd'hui sur Arc pour une petite vidéo info sur l'event de Thanksgiving qui vient de commencer. Donc on se retrouve avec Natch sur le jeu. Hello! Et Monsieur Resmo dans le groupe. Et Francis. Et salut! Et Monsieur Francis! Et moi-même! Qui a lancé sa mise à jour déjà il y a 4-5 mois et qui est toujours pas fini. Elle va arriver! Il attend toujours la mise à jour d'Halloween. Donc voilà, donc du coup on va vous montrer juste ce qu'on peut faire avec cet event du coup. Donc l'event est assez simple, il y a des dindes qui vont spawner sur les maps, comme celle-ci. Bim. Des dindes, les femmes? Non, des dindes, des dindes... Ah, dis donc. Donc des dindes qui font glou glou, on peut voir la même cour après. Donc c'est des dindes qui sont quand même des super dindes, qui sont quand même niveau 250. Bon là on est sur ma partie créative on va dire, hein. C'est pour ça que je prends pas de dégâts. Et donc du coup, ces dindes là, quand vous les tuez, on a un petit bonus sympathique, donc on va les tuer, bim, le mec a même pas cheaté. Et sur ces dindes, on peut dropper un petit fishbone. Donc ce fishbone, enfin wishbone pardon, n'importe quoi, tu sais, c'est les os pour faire les vœux. Genre chacun tient un côté, celui qui a le gros côté de dessus, en fait, son vœu il va se réaliser. Mais du coup, avec ces petits os, on peut fabriquer des petits trucs, qu'on va voir avec Monsieur Natch, qui sont ici. Donc vous posez un magnifique cooking pot. Donc dans l'event de l'année dernière, ça marche aussi dans le smithy. Mais là, ça marche pas. Le petit truc à Natch. Donc du coup, là, dans le cooking pot, j'en ai déjà mis parce qu'on a fait un peu de stock. Vous pouvez voir, du coup, on a une coiffe de chef indien qu'on peut crafter pour 20 os. On a une émote d'Inde pour 30 os. Et on a le saumon de Dorex. Donc c'est pour 100 os, du coup c'est quelque chose qui permet de tamer le Dodorex temporairement et de pouvoir jouer avec. Donc on va commencer du coup par les chapeaux, on va en faire deux. Donc un pour moi, un pour Natch. Ah merde, il faut mettre du bois pour que ça brûle. Sinon ça marche pas. Ah merde, j'ai pas de bois. On va casser un arbre pour que ça marche, parce que sinon ça marche pas. À moins que j'ai quelque chose pour cramer là dans le grill. Merde, non, mais je suis con, ça marche à l'essence. Ah merde! Ah c'est bon, il y a un arbre. Il y a un arbre qui a réussi, qui a survécu. Voilà, c'est bon, tout le monde est prêt. Donc on va mettre le petit feu dans le petit marmite. On va allumer. Et normalement on peut crafter du coup la coiffe des Indiens. On va en faire deux. On va tout crafter, mais on va regarder tout un après l'autre. Hein. Donc on va faire deux coiffes d'Indiens. De Dorex, on va en faire qu'un seul, hein, par contre. Un ouais. Summon de... Ouh, merde. Ah bah en fait, ça le fait... Ah oui, direct. Ça le fait spawner direct. Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'on a du coup un Dodorex pendant 25 minutes. Ah, il a une tête de dinde. Oh merde, ouais, attends, arrête-toi. Ah oui, donc c'est le dodo avec le chapeau des Indiens, du coup. Ouais, donc du coup... Qui croche du feu. Bon, c'est un peu con que ça spawn là où je pensais que ça nous donnait un objet pour le faire spawner, parce que du coup... Ça le fait spawner dans votre du coup, base. Je suis coincé là-dedans en plus. Quoi. Ouais, parce que je pense pas qu'il passe la porte. Et l'ascenseur, il passe pas non plus. Donc, du coup, voilà, pendant 25 minutes, on a un Dodorex dans notre base. Donc, c'est super. Donc, ça, oui, j'avoue que c'est un peu mal fait. Et par contre, il est plus. Arrête-toi une fois. Il est mieux fait, je trouve, que celui d'Halloween. Il a. Enfin, oui, là, je sais pas, il a pas les pattes pareilles. Mais bon, voilà, donc on a droit à un magnifique Dodorex pendant 25 minutes. Donc, on va du coup crafter les deux emotes aussi. Alors ça, par contre, oui, c'est inconsommable les emotes, donc ça c'est bon. Donc, je vais prendre un chapeau. Il est où, quoi, c'est sûr. Et une emote. Donc, on va déjà voir... Oh merde ouais. Mais t'es tout transparent, t'as juste tes bras et ta tête. Ah bon. Ah, faut que tu lui mettes une armure. Enfin, faut qu'il enlève son armure et qu'il la remette. Ah ouais, parce que du coup, ça fait bizarre, t'es tout... Le gars, c'est des bras qui volent, quoi. Ah, dégueulasse. Rayman. Il réparait. Je vais une fois déjà mettre le chapeau pour voir comment ça fait sur ma tête. Yeah. Enfin, je vais pas regarder, du coup, je vais... Le tien, il est dans le cooking pot, comme ça, je verrai sur toi comment ça fait. Et l'emote, pareil, on va déjà la prendre. Enfin, je pense que ça s'apprend en appuyant dessus. Ah non, c'est une emote qui se met dans les objets consommables. C'est cool ça. Dans les raccourcis. Ah oui, du coup, utiliser Turkey emote. Ah oui, là je l'ai appris du coup. Ah oui, le chapeau il est assez classe. Bon, c'est un chapeau de chef indien du coup. Mais logiquement, non, je devrais avoir une emote de dinde. Ah oui, Turkey. Et ça fait ça.
Donc moi je vois pas ce que ça fait. Ah, trop con. Ça fait ça. Excellent. Le gars il fait la poule avec des plumes et qui vole quoi. Ah, c'est trop con. Donc voilà, ouais, le chapeau, on peut sûrement le colorer hein, avec les colorants. Ça, vous savez faire. Mais c'est vrai qu'ils sont assez sympas quand même. Ça change un ouais, peu. Ouais, c'est un petit event sympathique. Ouais, c'est pas, y a pas beaucoup, mais juste pour une fête que nous, en France, on fête pas. C'est toujours ça de gagner. En plus, oui. Du coup, je vais aller sur le Dodorex pour voir un peu. C'est dommage vraiment qu'on puisse pas... Ah, si, j'ai réussi à passer. Eh ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui. Je suis passé par-dessus le mur. Donc du coup, on va essayer de... Je vais voir les attaques qu'il a un petit peu. Donc il a le coup de bec, le lance-flamme, et c'est tout. Donc on va courir là derrière pour voir, là il y a des méchants. Oh les méchants! On va voir un peu qu'est-ce qu'il dit. Ah oui, oui, il se fait plaisir. Les dinos de... les dégâts des dinos sont pas boostés, je crois, sur cette partie. Là, il a 140 de dégâts de mêlée, ouais, donc c'est... La santé, par contre, il a 666 666. 3000 de nourriture, 1600 d'énergie, le poids, ok, dégâts de mêlée, on peut l'augmenter en plus. C'est juste dommage que ce soit... provisoire. On va cramer le Bronto. Bim! Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, putain, il fait super mal, par contre. Donc, du coup, bon, c'est vrai que... Pour se détendre un peu après avoir buté... 100 dindes qui sont assez chiantes à tuer. Parce qu'en fait, elles ont beaucoup de résistance et beaucoup de vie. Donc, du coup, on met une plombe à les tuer quand on n'est pas en créatif, quoi, on va dire. Du coup, c'est vrai que c'est assez la merde. Mais bon, c'est sympa, du coup, d'avoir un Dodorex qu'on puisse diriger sans code, du coup. Sans faire de force time sur un Dodorex d'event. Même si c'est qu'une demi-heure, ça permet d'une demi-heure de se promener, de se faire plaisir. Pour faire des stocks de viande, vous avez vu là, j'ai droppé. Bon, moi, c'est vrai que j'ai un peu boosté par contre mes stats de drop. Mais il y a moyen de se faire plaisir quand même un petit peu. Se promener pendant 30 minutes avec un petit dodo Rex avec une coiffe d'Indien, c'est toujours sympathique. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo du coup de 10 minutes. Juste pour vous présenter du coup. Ah, mais arrête de tourner la tête, je vais faire une photo. Celui-là. Attends, sinon Nat, je voudrais que toi tu montes dessus pour que je puisse faire le screen. Ouais, je suis juste en dessous là sinon. Ouais, j'essaie de descendre. Attends, je vais tourner par là. Voilà, comme ça je peux faire la photo là si je me mets en face. Voilà, reste comme ça. Attends, il y a le soleil là, je vais me mettre de l'autre sens. Mais tourne la tête de l'autre côté. Voilà. Hop, un petit screen qui va bien. Donc j'en profite du coup, vu que là on vous a montré du coup ce qu'il y avait dans... dans ce petit event. Et donc du coup, donc voilà, donc l'emote, le chapeau et le dodorex qu'on peut tamer du coup, enfin qu'on a pendant 30 minutes pour s'amuser avec. Si vous avez fait votre mise à jour de la console, vous avez vu qu'il y a maintenant les... Du coup, les clubs Xbox. Donc, j'invite toutes les personnes qui sont sur Xbox One et abonnées à ma chaîne de rejoindre du coup le groupe que j'ai créé. Donc, c'est PNJ YouTube. Donc, vous tapez dans la recherche PNJ en majuscule, hein, il n'y en a pas 50. Voilà, et ça permettrait du coup de pouvoir se regrouper à un endroit du coup sur la console sans forcément devoir s'ajouter tout le monde en ami. Et ça peut être sympa, voilà, quand j'ai besoin de personnes pour une vidéo ou autre, hein, que ça peut être n'importe quoi, du coup ça peut être sympa de retrouver du coup des personnes directement sur la console, ça irait beaucoup plus vite. Ou si même vous avez besoin de personnes pour faire des KTP ou autre sur Minecraft ou n'importe quel jeu, ben bim, vous postez un message, si on est pas mal de personnes, ça peut être sympathique. Donc voilà. Donc je vais vous laisser du coup sur ça. Et je vous dis à bientôt messieurs, dames. Au revoir. Au revoir. Au revoir.